Coucou, je reviens avec un nouveau jour et j'écoute une musique tellement nulle de l'ancien temps. Singila, Singila, il dit que de la merde avec une voix suave. Horrible. On va dégager ça de suite. Aujourd'hui, on est un nouveau jour. C'est un jour à Repreto. Normalement, il devait pleuvoir, mais ça va. Ah, Chouvert, Chouvert ou Chouvert? Chouvert. Chouvert. Et Leandro, il est parti acheter tous les trucs du petit déj ce matin, il est merveilleux ce mec. Il est parti chercher du pain, du lait, du chocolat pour nous faire le petit déjeuner. Et là, il fait du pain au beurre qu'on va passer dans le four. Ça va être bon. En fait, moi, je mettais avant, d'abord le pain au four et après le beurre. Mais en fait, de mettre le pain et le beurre directement au four, c'est vachement bon. Bref, on a vu à peu près notre programme de demain. En fait, il y a un parc naturel pas très loin avec des cascades et des trucs à faire. On peut louer un petit buggy et se promener dans la nature, machin, ça a l'air chouette. Et au pot sofazer. Mais bon, aujourd'hui, on ne sait pas trop parce que normalement, on va pleuvoir. Moi, j'avoue, j'ai un peu la peine de faire des trucs. Oh. Mouton intelligent. Mouton intelligent, j'avoue. Bref. À tout. Tu as quelqu'un qui laisse. Je viens d'être disappointé de mon foot à la hinde. I only do that. Léandro et moi, on a mangé dans un buffet libre. Je voudrais te montrer ce que c'est. Bon, moi, j'ai quasiment rien mangé. C'était très compliqué parce qu'il n'y a rien sans viande. Mais je te montre. Alors, buffet libre, c'est ça. Et c'est plein de salades, mais qui sont pas du tout assaisonnées. Là, c'est du riz. Et tous ces plats, en fait, c'est des trucs à mettre sur le riz. Et c'est que des trucs avec de la viande. Et ça, c'est des desserts. Et c'est comme des sauces sucrées, ultra sucrées. Moi, je peux pas manger, c'est trop sucré. T'as fait Lise? Muito boa. Agora sim, agora eu fiquei muito feliz mesmo. Alegria de pedreiro, é o nome desse. Pour moi, c'était plus dur. Mas para mim foi um pouco difícil. Je crois qu'il va vouloir revenir tout le temps là, mais pour moi, il n'y a rien à manger. En fait, la salade ici, ils la mangent juste avec de l'huile d'olive et ils mettent du vinaigre comme ça. Il ne faut pas de vinaigrette, ça n'existe pas. Et c'est pas... C'est difficile quand on est français parce qu'en fait, on est vraiment habitué à un certain type de manger. Et quand on voyage, on arrive. C'est difficile de trouver des trucs aussi bons. Et c'est difficile, je trouve, de trouver des trucs qui nous plaisent vraiment. Par exemple, là, pour moi, il y a trop de viande partout, donc je ne peux pas manger. Souvent, c'est super gras. Le bien, c'est pas du tout assaisonné, donc du coup, c'est pas... C'est la vie. Maintenant, on va regarder. Il y a un magasin de guitare et peut-être que Leandro va acheter une guitare. On va voir. J'ai réussi à me trouver un truc à peu près sain. C'est une salade de fruits. Mais bon, il y a des fruits qui sont des fruits en conserve, très sucrés. Là, on est en train de chercher le magasin d'instruments, mais on trouve pas. On pense qu'en fait, il n'existe plus.
C'est beau ici, hein. Regarde. En fait, on a découvert une autre partie de la ville qu'on savait pas du tout qu'elle existait. Et Leandro, il dit que ça lui rappelle l'Europe. Et l'Indoné et sa part. Si, il s'oppose à ça en haut, pas verdade. Elle est vraiment belle, ce truc. Tout comme ça, dame. Là, on est dans la ville. A gente tá na cidade. Não na cidade do turismo. Cidade de verdade. Ah, que bon. Ah, ça fait trop du bien de ne plus être juste dans le truc des touristes. Là, c'est la vraie ville. En fait, elle est trop belle, mais sa cidade est bonita quand même. Je vais te montrer. Là, au centre historique, né? É só. Parece como um pouco como a cidade de Miami. Ça me fait penser un petit peu aux petites villes du sud-ouest. Genre Biarritz, Bayonne, tout ça. Tô feliz aqui. A gente não perdeu o dia. En fait, aujourd'hui, il devait pleuvoir. Du coup, on n'a rien prévu. On s'est dit, bon, il pleut, on reste à la maison. Et on n'a rien fait. Et comme il pleut pas, on s'est dit, putain, on a perdu notre journée. T'aimes muitas coisas pra comer aqui que não são coisas de tourisme. Bon, mais maintenant, on sait, c'est trop bien. On n'a pas perdu notre journée. Oui. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Ah, tá bom. Ah, entendi. Ça me fait vraiment penser au sud-ouest. On est arrivé là, il y a une basilique. Je pense qu'on va aller la voir. On a trouvé un magasin, mais en fait, il n'y avait pas de guitare. Mais tant mieux. Enfin, pas tant mieux qu'il n'y ait pas de guitare, mais c'est pas très grave. Parce qu'on, du coup, on a trouvé cet endroit de la ville, donc c'est chouette. Alors là, on a trouvé un endroit, mais on ne sait pas ce que c'est. Si c'est derrière l'église, on voudrait voir, parce que la vue, elle a l'air incroyable. Oh, il va tard. Et lindo aqui. Regarde. Alors, on fait que monter, descendre, que des pentes. On sait pas où on va. Et en fait, on a trouvé ça, on sait pas ce que c'est. Mais il y a des escaliers qui montent tout en haut là-bas. Et on s'est dit, on va aller voir. Você precisa saber. Eu odio um pouco de você. Tá bon? Je lui ai dit qu'il faut qu'il sache que je le déteste un peu à ce moment-là, précisément. Il y a au moins 1000 escaliers pour monter. Mais ça acho vale a pena. Je crois que ça vaut la peine.